Alléluia. Oh, il y a le chien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous sommes très contents de vous recevoir. Nous sommes le premier du neuvième mois, la neuvième lune. Et aujourd'hui, nous allons parler du calendrier solaire. Nous allons comparer le calendrier solaire actuel, le calendrier grégorien, sur le nombre de jours. Est-ce que ce calendrier est proche du temps réel? Parce que l'Éternel, dans les prophéties d'Apocalypse, il parle le temps. Il parle du temps. Le temps de temps. Et la moitié de temps. Ce qui veut dire que un temps, c'est une tournée complète de la terre. Un temps. Qui veut dire que la vitesse que la terre tourne autour du soleil, ce sont des signes des temps. Chaque jour de la semaine, c'est un signe des temps. C'est un signe pour marquer le temps. Chaque nouvelle lune, c'est un signe pour marquer les temps. Aujourd'hui, le temps que nous sommes, c'est la première, le premier de la neuvième lune depuis le mois de la Pâque, le mois d'Aviv, du printemps. Amen. Alors, cette fête, à chaque nouvelle lune, lisons, Jacques, si tu peux nous lire Nombre 10, verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Nombre 10, verset 10. C'est une fête qui ne fait pas partie des fêtes de Lévitique 23. Cette ordonnance, cette recommandation a été donnée dans le livre de Nombre après l'inauguration du tabernacle. Nombre 10, verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Les jours de joie et de fête et les jours de la nouvelle lune. Les jours de joie et de fête et les jours de la nouvelle lune. Vous sonnerez de la trompette quand vous offrirez les sacrifices complets et les sacrifices de communion. De cette façon, je me souviendrai de vous. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Amen. Qui délit que l'Éternel dit à Israël de fêter les jours de joie, anniversaire, mariage, mais aussi les nouvelles lunes. De cette façon, je me souviendrai de vous. Amen. Souvent, les chrétiens, ils envoient des messages au moment des débuts des mois du calendrier grégorien. Mais ce ne sont pas de ces mois-là que le Seigneur parle. Il parle du moment de la nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, le fait de rendre un culte à l'Éternel, il se souvient de nous. Parce que nous, on se souvient qu'il a dit ça, de fêter cette fête. Et bien, à ce moment-là, lui, en retour, il se souvient de nous. Alléluia. Hein? C'est comme ça, ça sonne avec le chauffard. C'est afin que l'Éternel se souvienne de nous. Amen. Si vous voulez que l'Éternel se souvienne de vous, chaque nouvelle lune,
Rendez-lui un culte. Amen. Ce texte est pour Israël. Mais ce texte est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce que le temps ne s'est pas arrêté. Le temple est détruit, mais le temps ne s'est pas arrêté. Et les fêtes de l'Éternel est basée sur deux choses. Ce sont des rendez-vous. Si, quand il y a un rendez-vous, il y a deux choses importantes dans un rendez-vous. C'est quoi? La ponctualité. Non, mais pour se rendre à un rendez-vous... Il faut être deux. Non. Allez. Pourquoi? Pour se rendre à un rendez-vous... Il faut y aller. Un rendez-vous, c'est quoi? Par exemple, tu as un rendez-vous. Ouais. Un rendez-vous, c'est quoi? On rencontre quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une rencontre? Il y a une rencontre, oui. Mais rencontrer quelqu'un, si quand tu rencontres quelqu'un dans la rue comme ça, est-ce que c'est un rendez-vous? Non. Un lieu fixe. Ponctuel. Un lieu fixe, voilà. Et quoi d'autre? Une date fixe. C'est... Une date fixe, ça veut dire le temps. Mm. Un temps fixé et un lieu fixé. Un lieu fixé et un temps fixé. Et c'est ça les fêtes de l'Éternel. Mm. Les fêtes de l'Éternel se passaient, ce sont des rendez-vous. Ce sont dans un lieu fixe. Ils ne pouvaient pas faire les fêtes n'importe où. Mm. Par exemple, les trois fêtes de pèlerinage ne pouvaient pas se passer dans les tribus. Ça devait se passer où qu'il y a la tente de la rencontre. Mm. Rendez-vous. Un rendez-vous, c'est un lieu de rencontre. On fixe le lieu et le moment de la rencontre. Et c'est ça, les fêtes de l'Éternel, c'est ça que ça signifie. Le lieu et le temps fixe. Un lieu fixe et un temps fixe. Amen. Mais quand Yeshua est venu, il a dit que ce sera plus dans ce lieu. Ce sera plus... Sur le mont Garizim. Pourquoi le mont Garizim? Le premier lieu de rendez-vous des fêtes de l'Éternel, c'était au mont Garizim. Et le mont Garizim, c'est quoi? C'est en Samarie. En Samarie. C'est à côté de Bethel. Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Et c'est quand David, il a péché et après, il n'a pas voulu monter en Samarie pour fêter... Pour rendre contre l'Éternel, il a demandé à l'Éternel qu'il puisse transporter l'arche à Jérusalem. Et c'est comme ça, le temple a été construit à Jérusalem. Mais avant, l'arche était toujours en Samarie. Et c'est là, à Samarie, que Moïse avait donné l'ordre. Parce que c'était le territoire d'Éphraïm. Ce territoire d'Éphraïm, c'est une terre que Jacob avait rachetée dans les mains du père de Sichem. C'était le territoire de Sichem. Et Jacob a donné ce territoire à Joseph. Et Joseph, parmi ses deux fils qui ont hérité, Manassé et Éphraïm, c'est Éphraïm qui a hérité de ce lieu-là, le puits de Jacob. Ou qui avait le puits de Jacob. C'est là que Yeshua a rencontré la femme samaritaine. C'est pourquoi la femme samaritaine lui dit, mais le lieu de rendez-vous, alléluia, le lieu de rendez-vous, nos pères nous ont dit, c'est sur cette montagne de Mont Garizim. C'est là que, quand ils sont entrés dans le pays, ils ont prononcé, il y avait une montagne qui prononçait les paroles de bénédiction, les paroles de malédiction. C'était là que Moïse leur a donné rendez-vous. C'était pas à Jérusalem. C'est L'Éternel fait grâce à David. C'est une alliance qu'il a fait avec David. Et l'arche a été ramenée à Jérusalem. Jusqu'à après la déportation. Mais quand Yeshua est venu, il a dit, ce ne sera pas au mont Garizim. Comme du temps avant David. Ce ne sera pas à Jérusalem comme du temps depuis après David. Puisque Salomon a monté le temple. Il y a eu le premier temple a été détruit, le deuxième temple. Et à l'époque de Yeshua, il dit à cette femme samaritaine qui représente le lieu, ceux qui sont dans les territoires du premier temple,
Il dit, ce ne sera pas là, ni là. Il dit que le salut vient des Juifs. Ça vient des Judéens, ça vient des Yehudim. Ça vient de la descendance des Yehuda, des Judas. Mais, même si le salut vient des Yehudim, bientôt, ce sera ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim. Mais ce sera en esprit, en vérité. Qui veut dire quoi? Le temps fixe, le lieu fixe de la nouvelle alliance, ça disparaît. Mais il y a toujours le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est-à-dire l'heure. Le temps fixe existe toujours. Mais c'est le lieu fixe qui n'existe pas. C'est pas parce que le lieu fixe n'existe plus que le temps fixe a disparu. Sans quoi Yeshua ne serait pas mort. Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il savait qu'un jour que le lieu fixe sera détruit. Parce que tu ne pouvais pas faire le sacrifice ailleurs qu'à Jérusalem. À Jérusalem que faisaient tous les sacrifices. Parce que c'est le lieu fixe. C'était le lieu fixe. Le lieu fixe. Au temps fixé. Même aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus besoin de faire le sacrifice parce qu'il n'y a plus de temple. Mais Yeshua, c'est le temple et en même temps, c'est lui le sacrifice. Mais il a fait le sacrifice pour tous les temps. On n'a plus besoin à chaque fête de faire des sacrifices parce qu'il a fait les sacrifices une fois pour toutes. Mais cela ne veut pas dire parce qu'on ne fait plus de sacrifices qu'il ne faut plus fêter ses fêtes, non. Il faut toujours les fêter, fêter ses fêtes, en se rappelant que Yeshua a été sacrifié. Alors on n'a plus besoin de lieu pour aller faire le sacrifice. On n'a plus besoin d'aller à Jérusalem. Regarde, on est sorti de notre douche. On est entré dans cette salle, hein, ce lieu de rencontre. Parce que partout dans le monde entier, on peut rendre des culpes au Seigneur. Au temps fixé. Amen. Le Shabbat, c'est un temps fixé. Mais on n'a plus besoin de faire des kilomètres pour faire le Shabbat. Parce que à l'époque, dans le désert, où à Jérusalem, tu n'avais pas le droit de faire plus d'un kilomètre. Pour faire le Shabbat. Oui. Parce que c'est un jour de repos, c'est un jour de pause. Tu n'avais pas le droit de faire plus d'un kilomètre. Et les apôtres, eh bien, ils respectaient cela. C'est pourquoi ils faisaient des cultes dans les maisons. Voilà, c'est parce qu'après on a monté des églises, tout ça, et puis on a changé la tradition, mais c'était dans les maisons. C'est comme les catholiques font, dans chaque village il y a un lieu de prière, il y a une église. Et bien, dans chaque village qui a des chrétiens, ça peut devenir une maison de prière. Alléluia. Amen. Comme Lydie, comme Paul faisait, comme voilà, comme les autres faisaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons lire le psaume en hommage à ce 81 qui nous parle de la nouvelle lune. Alors, prenez-moi. Alors ça c'est où? Wash Odesh. Odesh. Wash, ça veut dire poignet. Ça veut dire tête. La tête. Wash. Avec le R, nous allons voir ça bientôt, la lettre R. Resh, tête, ça veut dire commencement, ça veut dire poignet. Kodesh, ça veut dire linaison, moi. Amen. Amen. Alléluia. Lisons le psaume 81. Si mon peuple m'écoutait, lancez des cris d'allégresse vers Dieu, notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Entonnez un chant. Faites résonner le tambourin, pincez la lyre harmonieuse, jouez sous le luth, embouchez le cor au début du mois, à la pleine lune, au grand jour de fête. C'est la loi pour Israël, c'est une ordonnance du Dieu de Jacob et c'est un décret qu'il établit pour Joseph quand il attaqua le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connaissais pas. J'ai déchargé ses épaules du fardeau et ses mains sont libérées de la corvée des corbeilles. Tu étais dans la détresse, tu as appelé, alors je t'ai délivré. Je t'ai répondu caché au sein du tonnerre et je t'ai mis à l'épreuve
près des eaux de Meriba. Écoute, ô mon peuple, je t'avertirai. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël. Tu n'auras chez toi aucun autre Dieu. Tu n'adoreras aucun des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement la bouche, je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors, je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leur propre idée. Si mon peuple m'écoutait, et si Israël marchait sous les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis. Alléluia. Et je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment. Et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de froment. Et je le rassasierai du miel d'abeilles sauvages. Amen. Amen. Rendons grâce à Dieu. Je te laisse prier. Rendons grâce à Dieu pour ce nouveau mois, cette nouvelle vie. Alléluia. Merci Éternel. Merci pour ce nouveau mois. Alléluia. Merci pour cette tête du mois, Éternel. Pour cette nouvelle lune. Amen. Que tu as dit de fêter, Éternel. En ton honneur. Merci. Merci pour tout, Éternel. Merci pour ce que ton serviteur nous enseignera, Éternel. Et fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Éternel. Nous avons besoin d'enseignement. Nous avons besoin de connaître tes temps fixés et tes fêtes. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es je suis. Tu es je suis dans tout. Même dans tes fêtes, tu es je suis. Éternel, bénis. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes quel mois? Nous sommes le 9e mois. Amen. Alors, ce mois très important. Il y a un événement très important qui s'est passé pour Israël au 9e mois. Prenons le livre de Néhémie, le chapitre 1er et le verset 1er. Parce que au début, les mois, c'était des numéros. Amen. Premier mois, le mois d'Aviv. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, 9e mois. Et lorsqu'Israël est parti... Lorsqu'Israël a été en captivité, sur Juda a été en captivité, Yehuda, ils ont adopté les noms des Babyloniens. Le mois d'Aviv, c'est ici. Donc, après les psaumes là. Ici. Oui, après. Alors, Néhémie 1er. Lorsqu'Israël est parti en déportation, du temps de Jérémie, l'Éternel, a visité Néhémie. Mais Néhémie, je trouve pas. Hein. Non, tu es là. Il y a Miché. Là, tu as la lamentation de Jérémie. Jérémie, voilà. Avant, c'est ça. Isaïe. Non, toi, c'est ici. C'est après Esdras. C'est à côté d'Esdras, toi, c'est après. Après les chroniques. Néhémie, c'est tout. Parce que ça dépend des Bibles. Néhémie, combien? Juste le verset premier. Alors, je disais, Néhémie
il rencontre l'un de ses compatriotes qui sort de Juda. Mais c'est dans ce mois-là qu'il rencontre. C'est dans ce mois-là que Néhémie, il prend conscience qu'il y a quelque chose à faire. Il prend conscience, il prend la décision vraiment de faire quelque chose pour que Juda puisse retourner à Jérusalem. Parce que Juda a été chassé de Jérusalem, mm-hmm. de la Judée, parce qu'ils n'ont pas obéi à Néhémie, à Jérémie. Non, à Jérémie. Le prophète Jérémie. Mm. Le livre du prophète Jérémie raconte pourquoi Israël a été chassé du pays. Du pays. Et le livre de Néhémie, c'est après. Mm. En fait, c'est pour réparer les erreurs qu'Israël a fait, en fait, du temps de Jérémie. Mm. Alors lisons ça, le verset premier. Et là, on verra que il parle, il donne des noms à des mois. Mais auparavant, c'était des numéros. Parce que là, ils ont adopté les noms des Babyloniens. Alors, vas-y, verset premier. L'histoire de Néhémie, fils de Arcalia. La 20e année du règne d'Artaxerès, au mois de Kislev. Au mois de Kislev. Alors aujourd'hui, on est le mois de. Les Juifs, ils appellent le 9e mois le mois de Kislev. Jusqu'à aujourd'hui. Mais auparavant, ça s'appelait le 9e mois. Mais ces noms-là, ce ne sont pas des noms. Ce ne sont pas des noms juifs. Ce sont pas des. Voilà, ce sont des noms qu'ils ont empruntés aux Babyloniens. Auparavant, le premier mois, c'était le mois d'Aviv, ou le mois d'Abib, c'est le même mot. Et maintenant, ils disent Nissan, parce que c'est du grec. Voilà, c'est plus des mots, des langues étrangères. Mm. Amen. C'est pas des le nom de ces mois, ça n'a rien à voir avec des mois que Dieu, quand Dieu donne le nom de mois, ça a un sens spirituel. Mm. Mais ces mois-là, c'est plus des sens par rapport à des traditions humaines. Mm. Amen. Alors, là, c'est la 20e année du roi, mais là que je veux qu'on puisse s'arrêter. Là, tu dis que ces mois-là, c'est des traditions humaines. Alors, tout ce que j'entends, le mois de ceci, le mois de cela, que les pasteurs prononcent, ce sont des traditions humaines. Par exemple, nous, on est au mois de novembre. Ouais. Le mois de novembre est plus inspiré que le mois de Kislev, le mot. Parce que le mois de novembre, qu'est-ce que ça signifie? 9e mois. Mm. Mais Kislev ne veut pas dire 9e mois. Mm. Qui fait même que les Juifs aujourd'hui, dans le calendrier civil, le mois de Kislev, c'est le 3e mois. Parce qu'il commence, au 7e mois. Le 7e mois, c'est le premier mois. Le 8e mois, c'est le mois d'octobre. C'est leur 2e mois. Et aujourd'hui, commence leur 3e mois. Mais là, je vois en ce moment, et pour le mois de novembre, je vois que j'entends les pasteurs dire le mois de ceci, le mois de novembre, voilà. Le mois... Voilà, novembre, septembre. Ça veut dire 7e mois. Mm. Parce qu'auparavant, septembre n'était pas le 9e mois. Parce que l'année commençait en mars. En mars. Mm. Il n'y avait pas le mois d'août. Ça s'appelait le 5e mois. Mm. Il n'y avait pas le mois de juillet. Parce que juillet et août, c'est le nom de ceux qui ont créé le calendrier julien. Mm. Mm. Celui qui a créé le calendrier julien, comme il est né dans cette période-là, du coup, on lui a donné... Le mois qu'il est né est devenu, c'était le 5e mois, c'est devenu le mois de Jules César, le mois de juillet. Et comme c'est Auguste qui l'a aidé à mettre en place le calendrier julien, Auguste a dit, moi je veux aussi un mois. Mais c'était le 6e mois. Du coup, on a donné à Auguste le 6e mois qui est devenu août. Mais auparavant, c'était des numéros les mois.
du premier à combien auparavant? Du premier. Non, du premier mois jusqu'au 12e mois, c'était des numéros. Des numéros. Le mois d'Aviv, Aviv ça veut dire printemps, ça veut dire premier. Premier. Le printemps, premier temps. Amen. Et c'est les païens qui donnaient des noms au mois. Parce qu'auparavant, le calendrier romain, c'était des numéros. Du cinquième mois jusqu'à... parce qu'ils n'avaient que 10 mois. Ils n'avaient pas 12 mois. Vous avez septembre qui était le septième mois. Octobre qui veut dire 8e mois. Novembre qui veut dire 9e mois. Décembre qui veut dire... décembre qui veut dire... Dixième mois. Et après, ils ont rajouté 2 mois parce que le Jules César, lui, il a ramené des années à 365 jours. Mais aujourd'hui, nous allons voir ça un peu. Et ça permettait de se rapprocher du cycle de la Terre autour du Soleil. Amen. Alors ça, c'est important qu'on sache que ce mois-là, c'est à ce mois-là que Néhémie a pris conscience. Alors lisons ça jusqu'au chapitre 1 pour comprendre ce qui s'est passé ce mois-là. Je me trouvais dans la citadelle de Zeus. Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Tout le chapitre premier. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais: ah, éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi, en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi aux commandements, aux ordonnances et aux lois que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi cependant, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi d'autres peuples. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements, de les appliquer, alors même si vous trouvez éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour établir ma présence. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui désirent te craindre. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé
de servir les boissons à la table de l'empereur. Amen. Amen. Tu as lu jusqu'où? Jusqu'à l'empereur. Et jusqu'à la fin du chapitre 1er. Oui. Amen. Amen. Et à partir du chapitre 2, jusqu'à le premier verset. Durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sens pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis, « Que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? » Alors, l'empereur me demanda, « Que veux-tu donc ?» J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, « Si tel est le bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuille m'envoyer en Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. » L'empereur, qui avait l'impératrice assise à ses côtés, me demanda alors, « Combien de temps durera ton voyage et quand seras-tu de retour ?» L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Puis j'ajoutais, « Si l'empereur le trouve bon, pourrait-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda ?» Ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois, de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle, amen, près amen. Du temple et les murailles de la ville, et pour bâtir la maison où je m'installerai, l'empereur me procura ces lettres, car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Amen. Amen. Ce n'est pas l'objet de notre étude d'aujourd'hui, le livre de Néhémie, mais c'était important qu'on puisse lire ce texte pour comprendre entre le mois de Kislé, le 9e mois, et le mois de Nissan, qui est le premier mois, il y a eu un 9e mois, 10e mois, 11e mois, 12e mois, et le premier mois, le mois d'Aviv, le mois de Nissan, qui veut dire 5 mois s'est écoulé. Pendant 5 mois, il avait ce chagrin en lui. Et c'est normal qu'au moment de servir le vin, hein, puisqu'il était, échanson, c'est ça? Oui, échanson. C'est lui qui servait des boissons. Voilà. Et c'est normal qu'il soit angoissé, qu'il soit triste. Parce que il ne peut pas supporter que le peuple reste dans cette situation. Mais c'est le peuple qui s'est mis dans cette situation parce qu'ils n'ont pas obéi aux règles, à l'alliance que l'Éternel a fait avec eux. Comme ils n'ont pas respecté l'alliance, et bien Dieu les a aussi il n'a pas respecté son alliance, il les a chassés. Amen. 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 Alors, ce qui veut dire que c'est important de connaître les mois. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un exercice un petit peu, assez intellectuel. Parce que, jusqu'à maintenant, nous avons vu des calendriers, les calendriers de l'Éternel basés sur chaque mois. Est basé sur la lune. Mais là, nous allons voir des années solaires qui ne sont pas basées sur la lune, parce que la lune ne vous donne pas, ne nous donne pas le temps exact d'une année.
Vous comprenez? Il y a 12. Il y a 12 lunes dans une année. Mais la fin des 12 lunes te fait 354 jours. Je vais noter pour vous. 12 mois lunaires te donne combien? 354 jours. Ça, c'est. Tu as 12 lunes. Hein? Je vais mettre comme ça. La fin, au moment que la 13e lune commence, tu as 354 jours. Une année à combien? Tu as vu que le premier de la 13e lune sera 5e jour. D'accord? Une année solaire. Ça c'est les mois lunaires. D'accord? Ça c'est lunaire. Une année solaire à combien de jours? 365. Alors, le soleil. Alors, une année solaire. Alors, une année solaire, c'est quoi? Le soleil est là. D'accord? Et la Terre fait tout le tour comme ça. D'accord? La Terre. Une année solaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le soleil qui tourne. Hein. C'est la Terre fait un tour complet. La Terre qui fait un tour complet. Du soleil. Le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne autour du... D'accord. Une année lunaire, c'est la Lune qui tourne autour de la Terre. Mm-hmm. Et en même temps... que la Terre fait autour du Soleil. Mais tandis que la Lune fait son cycle un tour complet en 364 jours. Parce que la Lune est plus petite, la Lune ne tourne pas aussi vite. Qui veut dire que la Lune, régulièrement, le mois lunaire est pareil. Mais le mois lunaire est plus court que, disons, l'année lunaire est plus courte que l'année solaire. Parce que ça prend combien de temps le soleil, la Terre fait le tour du... La Terre fait le tour du soleil en combien de temps? Jade, ouais. La Terre fait le tour du soleil. En combien de jours en une année? 365. Et 366 pour les billes. 366, on va voir ça. Mais il ne fait pas le tour de 365 jours. C'est 365 jours. Et là, on va le voir. Le temps réel, c'est ça. 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes, et voilà, et 25 centièmes, qui veut dire 6 par exemple, l'équinoxe tombe le premier du premier mois, l'équinoxe, qui veut dire que la prochaine équinoxe, à l'heure précise, se fera 365 jours, mais 5 heures, près de 6 heures. Et s'il faut faire une année, est-ce qu'on va attendre les dernières secondes pour commencer la nouvelle année? Réellement, l'année commence
à ce moment-là. Sinon, supposons qu'on commence au coucher du soleil. Là, 5 heures plus tard, là, on n'est pas au coucher du soleil. Est-ce que vous comprenez? Qui veut dire que on sera peut-être au coucher du soleil, on sera 5h48 avant le début de l'année. C'est-à-dire que une année complète, au moment que le jour de l'an, la prochaine année, la deuxième année va commencer, ce ne sera pas pile à la seconde près. D'une année. C'est pourquoi il est important de connaître le temps de Dieu. Le temps de temps. Le temps de Dieu, c'est réellement ce temps-là. Aujourd'hui, on a la possibilité de le mesurer. Mais à l'époque de l'Apocalypse, à l'époque d'Enoch, on n'avait pas d'appareil. Alors, l'Éternel donne à Enoch une méthode pour décompter le temps. Et nous allons comparer cela avec la méthode que nous avons aujourd'hui. Et pour voir, Enoch, avant le déluge, l'Éternel lui donne un décompte avant tout le monde. C'est lui le premier qui a eu un calendrier solaire. Et nous allons essayer de comparer. Est-ce que le calcul d'Enoch est proche de la réalité? Et là, je vous ai mis les jours. La totalité des jours, parce que là, je compte, là c'est les années, mais là c'est les années en jours. 2 ans, c'est 730 jours. C'est 730 jours, mais le temps réel, c'est 2 ans réels, c'est 730 jours, 11h37 et 30 secondes. Amen. C'est qu'il y a toujours une petite différence. D'accord. Voilà, il y a toujours une petite différence. Mm. Parce que nous, on commence, les jours commencent au coucher du soleil. Mm. Les mois commencent au, comment dire, à la nouvelle lune. Si tu fais les mois à la nouvelle lune, tu perds au moins un jour par jour. Mm. Qui veut dire que le calcul des mois et le calcul des années n'est pas basé sur le même calendrier. Les années sont calculées sur le soleil. Et les mois sont calculés sur la lune. Mais les mois, quand je parle des mois, les mois pour calculer les fêtes de l'Éternel. Et c'est ça qui est compliqué. Parce qu'il y a un calcul en fonction de la lune, c'est pour les fêtes de l'Éternel, mais pour ton anniversaire, c'est sur le soleil. Quand tu es né, à quelle position était la terre par rapport au soleil? C'est ça l'anniversaire. Il y a des gens qui ne fêtent pas l'anniversaire, mais ils sont bêtes. L'anniversaire, c'est à quoi ça sert? C'est une reconnaissance envers celui qui t'a mis sur au monde, ou le Créateur, te rappeler ce jour d'anniversaire, là, ce jour-là, la position que la terre était au moment que je suis né. Ah, c'est pourquoi c'est important qu'on connaisse, eh bien, qu'on connaisse qu'on ait un calendrier qui se rapproche le plus de la réalité. Que tu sois en Martinique, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, mais que tu saches, bon, je suis né à telle heure, où que le soleil était. Est-ce qu'on est en hiver? C'est-à-dire que si vous faites votre anniversaire selon le calendrier, comment dire, lunaire, vous êtes né en décembre, vous êtes né en hiver, cette année l'hiver tombe le 9e mois, l'année prochaine ça va tomber le 8e mois,
etc. Ou bien ça va tomber le dixième mois. Et pour l'Éternel, ça pose un problème. Parce que pour les fêtes de l'Éternel, ce sont des fêtes qui se passent au printemps et jusqu'au début de l'automne. Qui veut dire que l'Éternel donne à Moïse un calendrier lunisolaire. Un calendrier que tu respectes les lunes, mais tu respectes aussi les temps du soleil. Et le temps du soleil, c'est ce calendrier-là. C'est ça qui dit à quel moment l'année commence. C'est pourquoi le prochain cours qu'on fera, la prochaine nouvelle lune, nous allons parler de quel est le vrai jour de l'an. Nous allons voir, c'est pas le mois de janvier. Est-ce que c'est comme font les juifs qui font en automne, ou comme font les Iraniens le premier jour de l'équinoxe, ou comme font ceux qui font le calendrier d'Enoch, qui le font le premier mercredi après l'équinoxe? Quel est véritablement le premier jour de l'année? Et si on arrive à trouver ce premier jour, devons-nous le célébrer, le marquer, pour qu'il devienne aussi populaire que le mois de Janus? Amen. Alors, là, je vous ai fait un petit tableau. Alors, Jade. Là, c'est la première année. 365 jours. 5h48, 45 secondes. Dans le calendrier que nous suivons, c'est le calendrier grégorien. Hein? C'est le pape Grégoire. Le calendrier grégorien fonctionne comment? Tu as 3 années à 365 jours et la 4e année à 366. 366. Alors chaque fois, j'ajoute. La première année, supposons que l'Éternel vient créer la terre. On débute. La première année, 365, avec les heures et les minutes, on rajoute. On rajoute, on va aller sur 10 ans. Ça te donne 365, le calendrier grégorien. Nous avons vu dernièrement que le calendrier d'Enoch avait 2 comptages. Il y avait une année à 364 jours et nous avons fait le décompte là. Le premier mois, 31 jours. Le deuxième mois, 35 jours. Le troisième mois, 31 jours. Quatrième mois, 31 jours. Cinquième mois, 31 jours. Sixième mois, 31 jours. Septième mois, 31 jours. Huitième mois, 31 jours. Neuvième mois, 31 jours. Dixième mois, 31 jours. Onzième mois, 31 jours. Et le douzième mois, 22 jours. Hein, comme les 22 lettres. Et ça nous a donné un total de 367 jours. Qui veut dire que beaucoup parlent du calendrier des Noirs, mais ils parlent seulement du calendrier de l'année à 364 jours. Parce qu'une année à 364, c'est un multiple de 7. 7 fois 52 te fait 364. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas un jour de plus. Qui veut dire qu'une année à 364, ça veut dire que ce sont des semaines complètes. C'est-à-dire que si l'année commence toujours le même jour et finit toujours le même jour. Mais on prend du retard sur le vrai calendrier. Amen. Tu perds. Si tu fais 364, là j'ai mis 367, 364, tu perds un jour et 5 heures. Hein? Un jour et 6 heures. Alors, là j'ai fait un décompte. Nous allons faire 364. Et des fois, j'ai mis en vert quand c'est 367 jours. Quand on rajoute 367 jours, et quand c'est en noir, c'est 364 jours qu'on ajoute. Amen. Alors, la première année, si on compte 367, ça te donne un jour,
un jour et demi en plus. Un jour et trois quarts. D'accord? La deuxième année, on met 364. Ça te fait un jour de plus. Ça, c'est le calendrier d'Enoch qui veut dire que Enoch a reçu cela. C'est la septième génération après Adam. Qui veut dire que Enoch, son calendrier, est proche de notre calendrier. Et lui, il n'avait pas d'appareil. Nous avons lu ça dans le livre d'Enoch, le chapitre 16 du cercle d'Enoch. Et le calendrier grégorien, ça te fait 730 jours. Vous voyez, on a un jour d'avance. Puisque 11 heures, qui veut dire qu'il a à peu près 24 moins, 11 moins 24 te fait environ un petit peu 14 heures. Non, 13 heures. Hein? 13 heures en avance. La troisième année, on passe à 195. Enoch, il est à 195. Le calendrier grégorien. Alors, le calendrier grégorien, ils ajoutent un jour de plus à 360, l'année bissextile, 366, qui veut dire l'année est fait 1460. 22 heures, c'est presque 24 heures. C'est pourquoi ils ajoutent un jour de plus, qui veut dire que ça leur donne 361. Et le calendrier d'Enoch te fait un jour de plus, qui veut dire que soit à l'époque d'Enoch, la Terre ne tournait pas à la même vitesse, la Terre tournait plus lentement ou plus vite, plus rapidement, plus rapidement, mais on voit que c'est très proche. La quatrième année, la cinquième année, te fait 1826 jours et 3 heures et 42 minutes. Le calendrier des noms, pareil. Lorsqu'on ajoute 364, c'est pareil. C'est-à-dire que le calendrier fait une année 367, deux années 364, une année 367, deux années 364, ça vous donne à peu près le même nombre de temps que le temps réel. Tandis que si on met 364, on perd du temps, on perd du temps. Et l'Éternel veut qu'on fasse les choses en son temps. Amen. Amen. Alors, on va regarder à nouveau. La cinquième année, on l'a fait. La sixième année, nous fait 2191 jours, 9 heures. Le calendrier d'Enoch nous donne 2190. On n'est pas loin. Et là, la septième année nous donne 2566. Hein, j'ai remis là. Et le calendrier d'Enoch, 2757. Puisqu'on a 14 heures. En plus, ce qui veut dire que, voilà. On a 10 heures d'avance. C'est-à-dire que c'est la même journée. C'est la même journée. C'est juste que 10 heures après, le calendrier, ça commence 10 heures. L'année finit 10 heures avant le calendrier d'Enoch. Commence 10 heures avant le calendrier d'Enoch. Mais c'est le même jour. Ici, la 8e année. La huitième année, 921 avec 20 heures, qui veut dire que ça fait près de 2922. C'est quoi? Ça devient une année bissextile et ça fait 2921. La neuvième année, 3000.
287, 1h36, le calendrier du Nord. Deux jours de retard, deux jours d'avance, mais la dixième année, 3662, et 3652, 6h24, on retrouve en 10 ans 3652. Le même nombre de jours. La dixième année, c'est le mois de... Non, mais là, c'est l'année. Ouais. Et là, les années sont en jour. Là, c'est les années en jour pour le calendrier d'Enoch. Ça, c'est pour le calendrier grégorien qui est basé sur ce calcul-là. Mm. Qui veut dire que le calendrier grégorien, son avantage, ça permet de, par rapport au nombre de jours, hein, je ne parle pas du début des mois, le nombre de jours par an est très proche de la réalité, du temps réel. Et suivant du temps d'Enoch, soit la vitesse de la Terre a changé, de la rotation de la Terre a changé, mais on voit que qu'on n'est pas loin. Lorsqu'on utilise les deux décomptes. Hein, parce que souvent, les gens comptent que 367, 364. Ils ne comptent pas 367. Parce que le chapitre 16 du secret des notes, lorsqu'on fait le décompte, lorsqu'on le compte, parce qu'il est marqué 364, mais lorsque vous prenez votre calculatrice, vous comptez, il y a 367. Et ce sont ces 367 jours qui permettent de rattraper le temps perdu sur les 364. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est pour montrer que le calendrier solaire, lorsqu'on compare les temps avec le calendrier d'Enoch, sans appareil de mesure, on pourrait lire cela. Je vais te donner à lire. Sans appareil de mesure, il est pratiquement dans les mêmes temps que le calendrier grégorien, qui avait déjà ça avait déjà évolué. Amen. 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 Alors on va lire ça. Enoch, le secret d'Enoch. Du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, ici, jusqu'à ici. Voilà. Voilà. Tu commences chapitre 13, ici, et tu finis à la page 4. Tu finis à la page 4. Voilà, on finit comme ça. Ce sera plus simple. Alors, 13 ici. Et les hommes. Voilà. C'est-à-dire que là, Enoch, avant que l'Éternel il soit enlevé, on nous parle de ça dans Genèse, l'Éternel lui montre une vision. Et c'est là que l'Éternel l'instruit sur à compter les temps. Et l'Éternel lui donne deux méthodes, à partir de la lune et à partir du soleil. Alléluia. Amen. Lisons ça. Et les hommes me portèrent vers l'orient du ciel, et ils me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève selon les temps fixés, et selon les circuits de la lune de toute l'année, et selon la diminution et l'allongement des jours et des nuits. Six grandes portes, l'une ouverte à une distance de 30 stades. Je m'appliquais à mesurer leur grandeur et je ne pus connaître leur grandeur. Par ces portes par lesquelles il se lève, le soleil va au couchant.
par la première porte, il sort pendant 42 jours, par la deuxième pendant 35 jours, par la troisième 35 jours, par la quatrième pendant 35 jours, par la cinquième pendant 35 jours, par la sixième pendant 42 jours, et de nouveau revenant par la dixième porte selon le circuit des temps. Il se lève par la cinquième porte pendant 35 jours, par la quatrième porte pendant 35 jours, par la troisième porte pendant 35 jours, par la deuxième pendant 35 jours, et les jours de l'année s'accomplissent selon les retours des temps. Et les deux hommes m'enlevèrent à l'occident du ciel, et là ils me montrèrent six grandes portes ouvertes, selon le circuit des celles de l'Orient en face, par lesquelles le soleil se couche selon son lever, par les portes de l'Orient et selon les chiffres des jours. Ainsi, il se couche par les portes de l'Occident, et quand il sort par les portes de l'Occident, quatre anges prennent sa couronne et la portent au Seigneur, et le soleil tourne son char et va sans lumière, et ils lui remettent là-bas sa couronne. C'est ce décompte qu'ils me montrèrent du soleil et des portes par lesquelles il rentre et sort. Car le Seigneur qui a fait ces portes fait du soleil le cadran horaire de l'année. Et de la lune, ils me montrèrent un autre décompte. Les deux hommes me montrèrent tous ces mouvements et tous ces circuits, et ils me firent voir ces portes. Ils me montrèrent 12 portes vers l'Orient en couronne et 12 vers l'Occident en couronne par lesquelles se lève et sort la lune selon les temps habituels, par la première porte de l'Orient pendant 31 jours sûrement, et par la deuxième porte pendant 35 jours sûrement, et par la troisième pendant 31 jours exceptionnellement, et par la quatrième pendant 31 jours sûrement, et par la cinquième pendant 31 jours extraordinairement, et par la sixième pendant 31 jours sûrement, par la septième pendant 31 jours sûrement, par la huitième pendant 31 jours extraordinairement, et par la neuvième pendant 31 jours exactement, et par la dixième pendant 31 jours sûrement, par la onzième pendant 31 jours exceptionnellement, par la douzième porte pendant 22 jours sûrement, et ainsi également par les portes de l'Occident selon le circuit et selon le nombre des portes de l'Orient. C'est ainsi qu'elle entre par les portes de l'Occident, et elle accomplit l'année en 364 jours. Elle va dans l'année avec quatre jours exceptionnels. C'est pourquoi ils se sont enlevés à part du ciel et de l'année. Et on ne les compte pas dans le nombre des jours, car ils excèdent les temps de l'année. Deux nouvelles lunes dans le sens du plein de la lune, et deux autres dans le sens de sa diminution. Quand elle a achevé les portes de l'Occident, elle s'en retourne et va vers celle de l'Orient avec sa lumière. Ainsi, elle va jour et nuit en cercle, son orbite semblable au ciel, et le char sous lequel elle monte va comme le vent, et traînant son char, des esprits volants, six ailes à chaque ange. Ceci est le décompte de la lune. Au milieu du ciel, je vis une milice d'armée servant le Seigneur avec les tambours et les instruments, d'une voix incessante, et je me délectais à l'écouter. Amen. Amen. Alors, vous avez vu 364, mais on ne nous parle pas de 367, puisqu'on dit on va décompter. Et c'est pourquoi tous, on compte que 364, parce qu'il est parlé de décompter. Mais lorsqu'on ne décompte pas, on a le même nombre de temps, on pourrait dire au jour près,
qu'avec le temps réel, avec les appareils d'aujourd'hui. Alors, à savoir, est-ce que c'était à la même vitesse, la Terre tournait à la même vitesse, mais avec le calendrier d'Enoch, on peut retrouver, on peut se rapprocher du temps réel de la Terre, d'aujourd'hui. On peut se rapprocher du temps vraiment que la Terre tourne autour du soleil aujourd'hui. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons le remercier vraiment pour cette nouvelle lune. Et la prochaine nouvelle lune, nous allons voir c'est quand le premier jour de l'année. Est-ce que c'est en janvier? Est-ce que c'est l'Éternel a mis en janvier pour glorifier Janus, hein? Là, il y aura bientôt les fêtes de fin d'année. Et il est important que les chrétiens connaissent le temps de Dieu, le temps de l'Éternel. Quel est le temps qu'il a fixé pour débuter l'année? On a vu qu'il a dit que le soleil est là, c'est pour marquer les années. La lune est là, c'est pour marquer les mois. Mais le mois lunaire ne correspond pas, ne tombe pas. Le premier jour de l'année ne tombe pas un jour de nouvelle lune. Ça tombe en plein mois. Vous comprenez? Alors, il faut qu'on soit intelligent et comprendre les choses. Pareil que les années, eh bien, ne tombe pas à 24 heures près. Non, il y a toujours. Ce serait 365 et puis il n'y a pas une seconde de plus. Non, mais l'année commence 5 heures après le coucher du soleil. C'est-à-dire que tu vas fêter la fin d'année au coucher du soleil, mais si le soleil se couche à 6 heures, eh bien, l'année va vraiment commencer près de 6 heures, vers minuit. Si le soleil s'est couché à 21 heures, l'année va commencer vraiment vers 23 heures, vers 3 heures du matin. Vous comprenez? Alors, parce que on ne peut pas compter, le temps des mois n'est pas le même temps des années, n'est pas le même temps des journées, etc. Amen. Remercions le Seigneur pour ce moment d'étude et que réellement au fur et à mesure que nous puissions comprendre ces choses. Mais on découvre que quand même le calendrier grégorien, la seule chose de bien, c'est le fait d'avoir une année bissextile tous les 4 ans. Cela nous rapproche vraiment du temps réel. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis, vous de l'autre côté et sur le plateau. Amen. Soyez bénis. Merci Éternel. Merci pour cet enseignement qui m'a enrichi. Merci parce que nous sommes un nouveau mois, Éternel. La nouvelle lune, Éternel. Merci pour les temps fixés que tu donnes, pour tes rencontres fixées que tu donnes ici, Éternel, qui nous permet de nous souvenir que tu es le créateur de toutes choses. Merci pour cela, Éternel. Merci parce que tu es bon, tu es miséricordieux, tu es l'Éternel. Tu es je suis. Tu es je suis dans toutes choses. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel. Merci pour tes bontés. Merci pour ta grâce. Merci pour les choses à venir, Éternel. Merci de bénir tous ceux et celles qui nous ont regardés, Éternel, qui comprennent le sens de ce que tu as mis dans le cœur de ton serviteur. Merci, car tu es bon, Éternel. Tu es bon et tu es bon en toutes choses. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins, Éternel. Et tu fais grâce à qui tu veux,
Alors ce soir, fais grâce à qui tu veux ce soir, Éternel. Car c'est toi la grâce. C'est toi la grâce, Éternel. Merci pour tout. Merci pour tous ceux qui sont dans le désespoir ce soir. Tous ceux qui sont dans la solitude. Tous ceux qui te cherchent, Éternel. Qui te cherchent, mais qui ne te trouvent pas, Éternel. Qu'à travers peut-être cet enseignement, qui te trouve. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta main droite. Merci pour ton lien. Merci pour ton souffle. Merci pour ta création. Merci, Éternel, parce que nous sommes dans le sixième jour de la semaine où tu as créé l'homme, Amen. Éternel. Merci pour ce sixième jour, car tu as créé l'homme ce sixième jour avec tout ce qui est avec, Éternel. Merci pour ce jour. Merci parce que tu nous as créés, Éternel. Tu pouvais t'estimer toi tout seul, Éternel, mais tu as créé l'homme. Merci pour cette création. Et fais-nous du bien, Éternel. Bénis ton ministère que tu nous as confié, Éternel. Oui, Éternel, que ton souffle nous envoie aux quatre coins des vents, Éternel. Amen. Amen. Alors, nous avons sonné un petit peu de la trompette pour ce nouveau mois. Le prochain culte. Faire mieux. Voilà. La prochaine nouvelle lune. Oui. Voilà. Tu vas faire mieux, c'est-à-dire. La trompette avant, tu vas plus mettre. Non, toi. J'ai vu, c'est toi qui allais faire mieux. Non, toi. Non, je sais pas, voilà. Alléluia. Je connais pas les notes, je sais pas. Un jour à la fois. Amen. Ouais. Un jour à la fois, chaque jour. Alors j'espère que ça vous a fait du bien, comprendre comment fonctionne le calendrier. Et c'est important qu'on puisse connaître les temps, parce que dans la Bible, il est parlé des temps. Voilà. Et les temps ne sont pas comptés en fonction des mois du calendrier grégorien, mais il est important qu'on puisse comprendre le temps de Dieu. Amen. Amen. Alors que Dieu vous garde, vous bénisse et à bientôt. À bientôt.